un tour de carte vraiment. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Romano. Aujourd'hui, un tour de carte réalisable immédiatement après avoir vu cette vidéo. Et oui, comme ça, tout de suite, hop, 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 vous allez pouvoir le présenter à vos parents, à vos amis, à vos copines, à vos copains. Regardez, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et bien voilà comment se présente le tour. Vous présentez votre jeu de cartes à un ami, vous lui demandez de mélanger les cartes autant de fois qu'il le souhaite. Vous retournez 10 cartes sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous lui dites à cette personne, voilà, tu penses à un chiffre et tu regardes la carte qui correspond au rang de ton chiffre. Si par exemple tu as pensé à 3, tu regardes la 3e. Si tu as pensé à 9, tu regardes la 9e. Et ainsi de suite. Hein. Donc tu penses à un chiffre. Prenons l'exemple où votre ami pense au chiffre 5. Imaginons, il pense au chiffre 5, vous lui dites, alors maintenant que tu as pensé à ce chiffre, regarde la carte qui correspond à ce rang. Donc, la personne regarde visuellement et compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le 6 de pique. Elle ne vous dit strictement rien. Vous ne savez pas le chiffre et ni la carte. Vous ramassez les cartes. Vous dites, voilà, je ne connais pas ta carte. Je ne connais pas ton chiffre. Et pourtant, je sais une chose. C'est que je vais mettre le jeu dans mon dos. Et je vais compter jusqu'à 20 et je vais placer ta carte en 20e position. C'est comme ça, regarde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, j'ai placé ta carte en 20e position. Eh oui, c'est comme ça. 20e position, ta carte. Vous lui demandez quelle est sa carte. Seulement maintenant, ils peuvent vous dire, c'est le 6 de pique. Ah bon? Vous lui dites, d'accord, c'est le 6 de pique. Et à quel chiffre as-tu pensé? Au 5. Eh bien oui, tu vois, j'ai mis le 6 de pique en 20e position. Donc tu as pensé à 5, regarde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Quelle est ta carte? Il vous dira 6 de pique. Et vous montrer qu'effectivement, c'est le 6 de pique. Alors, ce tour est entièrement automatique. Vous avez besoin d'un jeu de cartes, c'est tout. Vous invitez une personne à venir à votre table, vous lui présentez le jeu de cartes, vous lui demandez de mélanger et vous placez 10 cartes sur la table. Comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous lui demandez de penser à un chiffre, quel qu'il soit, entre 1 et 10, et de regarder la carte qui correspond au rang du nombre choisi. Imaginons, allez, encore une fois, le chiffre 5, il pense au chiffre 5, il compte dans sa tête et regarde la cinquième carte, donc ici le 4 de pique. Vous n'avez strictement rien à faire, vous ramassez les cartes comme ceci, vous les placez au-dessus et dans votre dos, vous allez tout simplement compter les 20 cartes en inversant les cartes comme ceci, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et vous remettez ces 20 cartes au-dessus, tout simplement. Voilà. Ensuite, tout le reste, comédie. Vous lui demandez quelle est sa carte. Dans cet exemple, le 4 de pique. Et il a pensé au nombre 5, au 5. Donc, vous commencez à compter à partir du chiffre 5. Hein. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Demandez-lui sa carte, il dira 4 de pique et vous montrez que c'est le 4 de pique. Donc, tour très très simple à faire. Donc, vous, dans un premier temps, la personne pense, regardez, je vais sortir un chiffre, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle pense à un chiffre, imaginons 3. Elle pense à 3, elle regarde la troisième carte, ici le valet de cœur. Vous ramassez les cartes sans changer l'ordre. Voilà, vous mettez au-dessus, dans le dos, vous inversez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous remettez le tout au-dessus. Vous lui dites, quelle est ta carte? Il vous dira valet de cœur dans cet exemple. Quel est ton chiffre? Le 3. Eh bien, vous comptez 3, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Demandez-lui sa carte, valet de cœur. Voilà, valet de cœur. Je vous l'avais dit, entièrement automatique, vous n'avez rien à faire. La belle vie quand même, hein. Oh, la belle vie. Eh bien voilà, un nouveau tour de magie, un nouveau tour de cartes que vous allez pouvoir présenter sans aucune difficulté. Pour débuter, c'est génial de présenter ce tour de magie. Alors, nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'aller revoir d'anciennes vidéos qui sont sur ma chaîne, comme celle-ci, là, par exemple, hein, ce tour. Eh bien, nous allons nous dire à bientôt. Au revoir, merci.